Puisque d'une certaine façon nous étions appelés à le faire, je voudrais dire à Monsieur le maire que ce qui nous sépare, ce n'est pas ceux qui écrivent le projet, mais le contenu du projet. Et il est normal qu'on en débatte. Au fond, vous avez l'idée, on a appelé ça la théorie du ruissellement, je sais que vous rejetez cette idée, mais on va le prendre par un autre bout. Votre idée est que si l'on épargne la charge sur le capital, celui-ci, allégé, ira à l'investissement. Voilà, c'est votre raisonnement. Il se trouve que cela n'est prouvé nulle part. C'est-à-dire que le financement de l'industrie n'est possible que par deux voies, les actions et les emprunts. Vous n'avez pas sur le marché de création nouvelle d'actions capable d'éponger les sommes qui sont mises en circulation par cette libération de charges sur le capital. Par conséquent, celui-ci ne trouvera qu'un usage, s'investir sur des actions existantes, et donc ça s'appelle, d'un nom que l'on connaît, de la spéculation, et rien d'autre. Là, j'ai mis de côté l'aspect banque. Oui, mais ce point-là a sa grande importance. Donc, si vous comptez sur le capital financier, c'est là qu'est notre séparation. Nous, nous croyons le contraire, qu'il faut définanciariser l'économie. Et c'est la raison pour laquelle nous proposons sans cesse de couper les voies par lesquelles ce capital a une libre circulation qui lui fait envisager, par exemple, une propriété d'un titre d'action. Aujourd'hui, la moyenne, c'est 20 secondes. C'est votre gouvernement, en juin, qui a interrompu la taxe qui était en prévision en Europe sur les transactions financières. C'est vous qui avez supprimé la taxe qui devait s'appliquer aux transactions quotidiennes en action. Toutes choses qui ont une logique, la même que celle que vous venez de défendre, avec la plus grande clarté à cette tribune, et de cela nous vous sommes reconnaissants, parce qu'au moins c'est clair. Vous pensez qu'en fluidifiant le capital, la ressource va s'allouer correctement à l'endroit où elle est nécessaire. Nous n'en croyons rien. Nous croyons au contraire, je terminerai là-dessus, que c'est en le contraignant et donc en libérant peut-être d'un maximum de charges sur le capital réinvesti, ça oui, ça aurait un sens. Mais ça n'en a pas de croire qu'un agent économique, par sa seule vertu, va déclencher une action positive pour l'économie. Ça, nous ne le croyons pas.